Nous sommes dans la vallée d'Anergui, à 1600 mètres d'altitude, encastrée entre le Moyen et le Haut Atlas. Elle est traversée par l'Oued Melloul. L'oncle Rela va marier son fils. Dans cette économie de subsistance, tous les proches participent aux préparatifs. C'est Mora, le marié, qui repeint la maison. Saadia, la mariée, remplit le seau pour se laver à l'endroit aménagé pour, sous la surveillance de Fadma, sa mère. Les deux familles se lèvent tôt pour aller au souk, principale activité hebdomadaire pour les emplettes et les rencontres. Le lendemain, la famille du mari va faire l'aban, c'est-à-dire confirmer le mariage par des offrandes. السلام عليكم الحمد لله السلام عليكم ان شاء الله يعقوب يا خليل سيدي عقوب سيدي ديواد قرار ربي يسلمك Accrochée au cou de son frère, la mariée regarde les présents. Puis, ce sont les bénédictions.
Le lendemain, Saadia contemple le paysage avant de s'enfermer jusqu'à son départ chez le marié. C'est sa journée. Elle enterre sa vie de jeune fille, tandis que ses proches et les invités se relaient pour la distraire. Le lendemain, chez le marié, on procède à Asminer. Une autre cérémonie où le blé est moulu avec du sucre et des dattes pour favoriser l'abondance. C'est la cérémonie du aîné, dont la racine du mot est la même que celle de la tendresse. Tous les rites sont à forte charge symbolique. On va enduire de aîné les mains et les pieds 3 fois. Le chiffre 3 reviendra pour chaque rite. Les doigts sont entravés par des fils de laine et c'est le frère du marié qui lui tient le bras. Les convoyeurs, appelés Isnayen, vont aller chez la mariée avec les cadeaux achetés au souk. La mule, apprêtée pour la circonstance, va ramener la mariée. L'accueil chez la mariée se fait dans la joie. Bonjour.
On prépare la cérémonie du aîné pour la mariée, qu'on habille sur place en tendant un drap. La tradition veut qu'elle ne sorte de la pièce que pour partir dans sa nouvelle maison. Moment fort d'émotion quand le frère aîné signifie la fin de sa vie de jeune fille par la pose du foulard. C'est son autre frère qui lui tient le bras pendant la pose du aîné, dont on dit que c'est la plante du paradis. Le lendemain, après le repas offert aux invités, dont les convoyeurs qui ont passé la nuit sur place, on prépare la mariée pour le départ. La mariée doit marcher sur la cape de son frère aîné et faire trois tours sur elle-même en l'embrassant à chaque fois. C'est sa tante qui prend la tête du convoi et le guide d'un pas sûr. Plusieurs kilomètres séparent les deux villages et sur la route, des invités viennent se joindre au cortège. Le père du marié l'accueille et, par la pose du foulard, la met sous sa protection. Le père et la mère du marié la conduisent et lui font faire trois fois le tour de la tente. Yeah.
Devant la tente, on procède à plusieurs rites à forte valeur symbolique qu'on répète à trois reprises. Un garçon est placé derrière la mariée pour prédire une belle progéniture. La belle-mère lui fait boire du lait pour que leur rapport soit pur. La mariée embrasse un agneau pour attirer l'abondance. La mariée asperge l'entourage avec du lait. Dans un esprit ludique, le convoyeur repart, suivi par ceux qui veulent lui arracher un gage, tandis que d'autres l'aident à s'enfuir. Sur le toit de la maison, le marié, qui ne doit être vu qu'au moment voulu, suit l'ahidous, la danse à l'origine ancienne des Amazirs. Le marié a rejoint la mariée pour une cérémonie conjointe. Derrière le drap, on enlève une partie de la coiffe de la mariée pour la placer sur la tête de sa belle-mère. Ito, la belle-mère, entre dans la hidous avec son fils. Symboliquement, ramasse du bois que lui remettent des jeunes gens et la mère de la mariée leur distribue une friandise. La mariée est introduite dans la maison et d'autres rites s'en suivent. Les mariés dansent ensemble la hidous.
Dès que le mariage est consommé, la mère fait avec fierté la virginité de sa fille qu'elle a su sauvegarder. Le matin, la mariée arrive pour saluer tout le monde. Des mariés leur offrent de l'argent au su et au vu de tous. Pour que leur vie soit douce, on sert des mets sucrés comme les biscuits et les dattes avec le thé. À la mariée, une bouillie de céréales arrosée au beurre fondu. Puis, c'est au tour de la mariée de le faire manger. On arrose leurs doigts de beurre fondu, toujours dans l'esprit d'attirer l'abondance. Ce sont les hommes qui préparent les brochettes de viande qui seront servies en dernier. Le moment de la séparation est arrivé. Pour Saadia, qui va rester dans sa nouvelle demeure, loin des siens, c'est un véritable déchirement. Et ce sont les dernières bénédictions.